Nous sommes reconnaissants d'abord pour le parcours que nous avons eu à effectuer jusque-là. Être en quart de finale, en tout cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est mérité que ce soit pour nous ou bien pour l'équipe adverse. En tout cas, nous ne voyons aucune rivalité entre les deux équipes. Mais ce qui est vrai dans le sport, en général, en tout cas, et tout comme dans le football, il n'y a pas d'échec. Mais ce qui est vrai, c'est lui qui en sortira vainqueur là-bas, sera en tout cas mérité au vu justement de la physionomie du match. Et je pense que la clé, ça sera sur la gestion des émotions, parce que c'est un match à élimination directe, et ce qui fait que justement il y aura beaucoup de tensions. Et nous souhaitons justement aussi que l'arbitrage aussi soit au niveau, parce que l'arbitrage aussi justement peut décider du sort d'un match. Et nous espérons justement que nous allons en tout cas être fair play, comme nous l'avons été déjà jusque-là. Et nous continuerons toujours à défendre nos valeurs, que ce soit sportives ou bien humaines. Nous avons justement notre façon de voir les choses. Nous nous concentrons d'abord sur nous-mêmes. Et bien que nous devons toujours garder un œil sur l'adversaire, essayer de l'analyser justement, parce qu'aujourd'hui, l'analyse de l'adversaire fait partie aussi des points essentiels justement pour arriver justement à la victoire. Donc, mais pour notre cas, en tout cas, nous sommes beaucoup plus concentrés sur nos qualités, que ce soit nos efforts ou bien sur ce que nous devons faire demain. Merci. D'abord, je les remercierai en tout cas pour le soutien que nous recevons, que ce soit de près ou bien de loin. Et nous vous invitons en tout cas de nous encourager, en tout cas de continuer de nous encourager, que ce soit de près ou bien de loin. Et pour ceux-là justement qui sont à Kinshasa, peuvent justement nous rejoindre en tout cas au stade. Demain à partir de 13 h pour le match. Et nous sommes en tout cas reconnaissants, nous sommes reconnaissants par l'amour que nous recevons et puis le soutien de part et d'autre. Et même pour des gens auxquels nous nous attendions le moins, nous avons reçu en tout cas des soutiens. Et nous les remercions et nous ferons notre travail en tout cas pour leur retourner la confiance et la joie qu'ils nous ont donnée par la victoire. Déjà gagné match à Malab, motivation, dévotion du coco, joueur et tout, d'ici un joueur et tout, le meilleur confiance, et ma coach et tout, bon sou, à bas, tu es là, moi du moubim pas, d'ici un match à Malab, n'y a été bien. Il dit qu'il est confiant du travail que les staffs techniques est en train d'abattre jusqu'ici. Et qu'il est très sûr de son équipe. Ils se sont bien préparés à conséquence pour les matchs de demain. Même si c'est Djilawani, bah supporter de tout bon sou, bah mou Kasai, bah du présent, ni bah Bachalaku province, ni Bikala, ni Balumba, Bikala, bah tu appuyer, bah tu en panda, bah du aussi au place, d'ici Rani, bon balois, d'où il y a ni toutes les qualités. Il demande aux sportifs en général, ceux qui sont restés au Kasaï, en particulier ceux qui habitent la ville de Kinshasa, de venir leur soutenir demain, d'autant plus qu'ils se sont bien préparés et qu'ils seront satisfaits des résultats qu'ils vont obtenir demain.